Gym 5 à Boulevard Mohamed Khamis à Alger. Super salle qui vient juste d'ouvrir. Et ça, c'est la salle où j'ai commencé à m'entraîner lorsque j'avais... Les Algériens qui sont en train de me regarder, ils savent ce que ça veut dire, ça. Et les Français, vous êtes en train de rater quelque chose de spectaculaire. Maintenant que vous avez vu cet exercice, je vous invite aussi à le faire comme ça. Ma mère, elle m'a préparé de la bouffe. Elle sait que j'ai un régime. Mais regardez, là, il y a des traditions algériennes. C'est toujours la même chose. Regardez-moi ça. Il y a les patates. Et bien sûr, il y a de la sardine. Et bien sûr, de la ksara. Very nice. Super bon. Léger. J'ai pas mangé de glace, ça fait longtemps. Sérieusement, Oussama, ça fait 4 mois que j'ai pas mangé de glace. Le deuxième exercice, sans prendre un temps de repos, vous allez faire des extensions avant-bras assis sur le même banc. On a fait de la barre là-bas. Spécialement ces coins-là. C'est très bon. C'est les coins-là. C'est ça les meilleurs. Je suis en air en train de filmer la pub pour Hacheli Mazar, une nouvelle gym. Super, super cool. C'était la dernière minute où on se voit avec eux. Hello! Il attend. Oh. Du bonheur. Racine, si je rentre chez moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'aksara. L'aksara, voilà. Faite par maman. Je vais grossir. Non, je ne vais pas grossir. Vous allez grossir. Je ne grossis jamais ici. Parce que depuis mon jeune âge, ma mère, elle faisait sa cuisine par rapport à ce que j'aimais. Et ça, c'est une clé de réussite. C'est grâce à elle. Donc, regardez-moi manger ça dans pas longtemps. Avec du poulet et du riz pour se faire plaisir après les entraînements. Voilà, on vient tout juste de finir de filmer toutes les vidéos pour Insta, ça va être super. Et je suis avec Anis, regardez-le. Et il se prend pour Kobe Bryant aujourd'hui. Non, c'est James. Ah, là, regardez-le. Il est tout beau, il a ses cheveux. Moi, je suis jaloux parce que c'est pas de cheveux, c'est pour ça. Ça va, tu vas bien? Ouais. Donc elle a filmé super vidéo, vous allez voir dans pas longtemps. Ça c'est la salle 5 Gym. Gym 5 à Boulevard Mohamed Khamis à Alger. Super salle qui vient juste d'ouvrir. Et ça c'est la salle où j'ai commencé à m'entraîner lorsque j'avais... Enfin une des salles. La première c'était là où Oubi à Babelouette, parce que j'avais 18 ans. Après j'ai commencé à venir à celle-là parce que c'est à côté de chez moi. Et ils m'ont vraiment, vraiment aidé lorsque j'étais jeune. Super. Donc je me retrouve ici, comme je dis auparavant, à les aider. What goes around comes around. What goes around comes around. OK? Il est 6h30 du soir. Désolé, ça c'est le bruit de la bouilloire. Vous dites la bouilloire, je crois. Et donc on a filmé toute la journée avec Anis. Super vidéo ici à Alger que je vais partager avec vous.
J'aurais aimé faire des vidéos avec une fille ici, mais il y avait une fille qui est rentrée en contact avec moi. Elle était incroyable. Donc je vais essayer de faire une vidéo avec, des vidéos avec elle. Je vais la chercher sur Insta. Je sais pas, je sais même pas le nom de son Insta. Elle était super en plus. Excusez-moi. J'arrive. Non. Désolé, mes globistes, vous êtes chez moi, live, en Algérie. Donc, il me reste 2 jours ici. Donc, je vais finir ces vidéos. Et je repars sur Paris, où je vais passer du temps avec Oussama. Et je vais faire la pub pour Honor. Alors tout est bon à Chili Mazarin. Vous allez voir après cette vidéo dans ce vlog. Et après ça, je vais rencontrer Alex de Body Time. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, il me manque vraiment. Et faire la pub de Otakos. La plupart de vous vont se dire pourquoi Otakos, parce qu'ils ont un cheat meal. Et on va en quelque sorte l'introduire par rapport à ce qu'on fait, les aliments qu'on consomme durant la semaine et comment le consommer proprement. Donc on va faire une pub, ça va être très très intéressant, on nous en rapproche. Donc super cool. Quoi encore? Donc je vais prendre ce repas et je vais aller à la salle, je vais m'entraîner. Je vais filmer quelques vidéos pour vous ici à la salle où j'ai commencé, celle que je vous ai montrée auparavant. Et let's go. Regardez-moi ça. Vous allez vous mettre sur une poulie. C'est un curl biceps avec la barre derrière la nuque. Regardez. Comment que je garde la contraction tout le temps. Anis, viens derrière. Montre-leur comment que je cause la contraction et comment que je contrôle le poids. Ok? Maintenant que vous avez vu cet exercice, je vous invite aussi à le faire comme ça. Vous allongez sur les sièges. Et faire l'exercice. Donc comme vous avez vu les vidéos que je viens tout juste de partager avec vous, ça c'est des vidéos qui vont être publiées sur ma chaîne de YouTube. J'ai filmé ici en Algérie. Donc il me reste encore 2 jours. Il va y avoir, j'espère qu'il ne va pas y avoir de grève ici pour repartir sur Paris. Hein? Là que c'est là, ma mère. Regardez ma mère. Donc ma mère, elle m'a préparé de la bouffe. Elle sait que j'ai un régime. Mais regardez là, il y a des traditions algériennes. C'est toujours la même chose. Regardez-moi ça. Il y a les patates, et bien sûr, il y a de la sardine, et bien sûr de la ksara. Je vais manger un tout petit peu, et bien sûr mon ketchup à l'américaine. Moi, je suis tout le temps mon ketchup, je l'ai avec moi. Ça, c'est le ketchup algérien. Ça, c'est la galette que ma tante a avec. Ah, ça, c'est ma tante qui a fait ça, la galette. Allez, regardez ça. Regardez ça. Bon, je vais manger ça, je vais dormir. Et dès que je finis, je me réveille, je vais aller m'entraîner. J'arrête pas de regarder à gauche et à droite. Je suis perturbé en ce moment. Parce que mon sucre commence à descendre. Et je commence à me préparer pour la suite. Je sais pas encore. Le chou-fleur raisin d'Algérie. Et bien, c'est le raisin d'Algérie. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça, c'est bio, ça. Super bio. Regardez-moi ça. Allez. Alors, la glace. Elle n'a même pas été posé sur la table où ça m'attaque directement. Regardez-moi ça. Et là, c'est la deuxième cuillère. Donc c'est une glace aux fruits. Et ça, c'est quoi, la tarte au citron? Tarte au citron maison, quoi. Et ça, c'est le chou. Super cool, hein? On va voir, attendez. Vous dire rapidement, Oussama qui va prendre le truc lorsqu'il est en train de fumer. Very nice, super bon, léger. J'ai pas mangé de glace, ça fait longtemps. Sérieusement, Oussama, ça fait 4 mois que j'ai pas mangé de glace. À la dernière séance, pas papa, on était au stage. Non. J'ai mangé après avec Aya. Ouais. 2 mois à 3 mois. Super bon.
Super. Ça fait longtemps que ça a ouvert ici. Ouais, ça fait longtemps. Il n'a pas arrêté de... Mais c'est où ça déjà? Chez Raga. Chez Raga. Chez Raga. Il n'y a pas tellement de potes. Voilà. Ils connaissent Algérie. À côté du tribunal de Chez Raga. Lorsque je viens en Algérie, il faut que je goûte des merguez et regardez-moi ça. Parce que c'est très très important. Mais avec moi, une personne très très spéciale. Ça, c'est la star d'Algérie, DZ Joker, regardez. Yo, salam alaykoum. Wana kinkouf d'ayr, je n'ai que le khobz. Le diamant, il se calme. Moi, je ne peux pas manger de khobz en ce moment, mais j'ai envie de le manger. Mais qui dit le khobz? Qui dit le khobz de l'Albaïf de la Kachtima? Tu vois le hnak? Le hnak. Ça veut dire les joues, il a beaucoup de joues. Good. Le bicep, c'est un système d'entraînement où vous allez prendre deux exercices pour une partie du corps que vous allez entraîner. Comme exemple, dans cette situation, on va prendre le triceps. Le premier exercice qu'on va faire, c'est un tirage roulé sur un banc incliné. Ok? Donc, poitrine haute, il va garder ses coudes à ses côtés et il va faire l'exercice. Ok? Donc, le premier exercice, vous allez faire 8, même 6 à 8 répétitions en augmentant le poids tout doucement. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, sans prendre un temps de repos, vous allez faire des extensions avant-bras assis sur le même banc. Ok? Et vous allez faire la même chose, 6 à 8 répétitions, sans arrêt. C'est ça le bicep. Maintenant, si vous voulez voir une autre vidéo, ça va dépendre d'une chose. Commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, bien sûr, et taguez vos amis. Où est-ce qu'on est? À Five Gym. Five Gym, boulevard Mohamed V. Et attendez. Ça, c'est la propriétaire Fella qui m'a aidé lorsque j'avais commencé, lorsque j'étais jeune, 22, 23. Elle était avec moi au début, celle-là. Et on se retrouve après 35 ans, 36 ans. Ouais. C'est comme ma sœur. Plus good. Merci, tu m'as eu, hein. J'ai eu, hein. Alors, les Algériens qui sont en train de me regarder, ils savent que ça veut dire ça. Et les Français, vous êtes en train de rater quelque chose de spectaculaire. Je crois que vous mangez ça à Paris. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, ou la découverte de quelque chose de très très spécial, si vous voulez découvrir quelque chose de très spécial, vous allez dans les quartiers algériens, vous mangez ça. Je ne vais pas vous dire le nom de ça. Ils le font à Barbès. Djouba, si. C'est ça qu'ils le font. Cherchoura. Eh bien, la nouvelle génération, si vous fréquentez des Algériens, vous leur dites de vous emmener à acheter ça. Ça, c'est la vraie super masse. Vous n'avez pas besoin de gainer. Sérieux. Le moment où la diète n'existe plus, je vais repartir demain. Et ma mère, ma chère maman, ma maman spéciale, m'a fait de la baklawa. Spécialement ces coins-là. C'est très bon. C'est les coins là. C'est ça les meilleurs. La vraie recharge glucidique, comme vous dites. Celui-là. Arrivé à Paris Charles de Gaulle. Je suis debout depuis 2h du matin. Parce que mon vol était à 6h du matin. J'étais obligé d'être à l'aéroport à 4h. J'ai même pas eu le temps de filmer, donc il faut m'excuser. Mais l'essentiel qu'on est là. Maintenant, il va y avoir Oussama qui va venir me voir. Je suis en train d'attendre mes bagages pour aller directement me reposer un tout petit peu, me raser, me faire beau un petit peu, de la sale gueule. Je vais aller filmer la pub de On Air. On Air Gym à Chili Mazara. Donc, je vais partager ça avec vous. Vous allez voir le travail que je suis en train de faire en ce moment.
Et ça fait vraiment, vraiment plaisir de faire des trucs comme ça parce que ça me montre que toutes les graines que je suis en train de semer en ce moment, les choses commencent à vraiment se manifester tout doucement. Juste pour vous dire, le plus vous travaillez, le plus vous vous organisez, le plus vous avez de la patience, le plus vous allez réussir. Des fois, je perds de la patience. Je suis direct avec vous, je suis honnête avec vous. Mais je me rattrape tout le temps. Tant que j'ai ma santé, tant que je suis en train de faire les choses que je suis en train de faire, rien ne va vraiment m'arriver en quelque sorte si je continue à faire ce que je suis en train de faire. Let's go. Je suis en air en train de filmer la pub pour Hacheli Mazar, une nouvelle gym super super cool. Il y a des superstars, Stéphane. Et lui, une autre. Oh, ça, c'est le futur. Les globules, c'est les globules là, ça c'est le futur de France, regardez-moi ça. Beau physique, 15 ans, il a son coach avec lui. Ouais, ouais. Comment tu t'appelles? Pascal. Pascal et Louis. Louis, voilà. De Hacheli Mazar, en l'air gym, une nouvelle salle, super. Je vous invite vraiment, vraiment à venir ici et l'essayer, vous n'avez rien à perdre. La dernière fois, lorsque j'étais à Metabolic Gym à Montpellier, ils avaient l'équipement de Gym 80, ils l'ont ici. Donc venez essayer ces machines super convergentes. Cette machine, ça c'est du l'écarté, incroyable. Ok. Vous avez aussi le. Viens de ce côté, s'il te plaît, Oussama. Vous avez aussi le curl. Ok. Que vous voyez ici le curl pupitre. Si je viens de ce côté, vous avez le. Et c'est différent. Je sais que la plupart des gyms, ils ont technologie, c'est cool. Mais ça, c'est différent. Vous allez vraiment, vraiment voir la différence par rapport aux sensations, par rapport à l'isolation, par rapport à la contraction. Des facteurs que je vous parle tout le temps de pour vraiment vous améliorer. Et cette machine, ne me dites pas que c'est de. Attendez, je vais essayer de deviner. J'ai un pressentiment que c'est. Voilà, ça c'est de buste penché pour le deltoïde postérieur. Vous pouvez vraiment vraiment isoler. Donc, on est à gym Hacheli Mazar. Les détails sont en bas. Première semaine offerte. Enfin, première séance. Vous pouvez faire une séance d'essai. Ah, tu vas les exciter, tu vas dire. Ouais. Première séance. Si on peut faire une séance d'essai. Ouais, bien faire, sûr. Pour venir cool. Tester la gym, pour venir voir. C'est super voilà. Cool. Super, super cool. Good. Cool. Ouais, carrément. Allez. Avec plaisir. Avec plaisir. S'entraîner. Voilà. Faut pas la laver, hein. Non, c'est motif. Ouais. Normalement, c'est bien début, là. Ça s'en met pas. Voilà, on est au milieu du shoot. Il reste la. On vient juste de finir la première partie que vous avez vue. Je remercie monsieur Oussama qui est derrière la caméra, qui est en train de filmer. C'est un Spielberg, lui. Et donc maintenant, la deuxième partie, on va filmer les exercices. Donc je vais m'entraîner, ils vont pouvoir suivre et tout. Et cette vidéo, elle va bien sûr sortir sur les médias sociaux, Instagram et Facebook. Donc vous allez voir le message qu'on donne par rapport à cette chaîne de gym que je suis en train de m'entraîner à lorsque je viens ici. À Los Angeles, non, pauvre con, Paris, je suis à Paris, je suis toujours à Los Angeles. Il rigole, Oussama est en train de rigoler. Allez, je vais prendre des photos. Allez, on va faire. Non, c'est que là, tu dois travailler sur
devenir en meilleure santé. Et alors ce que j'ai dit, tu peux pas te comparer à d'autres personnes. Parce que les gens, je dis pas que tu fais, je suis en train de dire en général. Si une personne dit, oh, comment je peux avoir ces abdos ? Je peux pas avoir des parties du corps de quelqu'un d'autre parce que génétiquement, chacun est. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie ? Je travaille dans l'informatique. Oh ! Vous voulez devenir le prochain Steve Jobs ? Non, non. Pourquoi pas ? Arrête, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux être un gamer, créer un game. Non, non. Qu'est-ce que tu veux faire ? Créer Fortnite. Ah ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Créer Fortnite. Même pas en game. Ah ! Non, je veux créer des logiciels d'informatique. Ah, c'est super cool. C'est super cool. Tu sais, tu peux devenir le prochain Steve Jobs, on sait jamais. Faut jamais dire non dans la vie. Jamais. Guillaume, il a assuré qu'on pas possible et l'autre fait bien sûr. Ça, c'est... Lorsque vous allez voir la pub, moi j'ai rien fait moi. Ils m'ont rendu beau, ils m'ont rendu musclé. Tout est Photoshop. Lui, oui. Allez, au four du Liban. Vous rappelez de Philippe, il est avec moi. Et ben, on va aller manger. On vient tout juste de finir le shoot. Et ah, c'est super bon. Salut! Bonjour! Oh! Ça va, Julien? La forme! Viens, viens, viens! Le four, il est là, le four! Comment tu t'appelles? David. David! Oh! Ça va, tu vas bien? Plaisir de te voir! Moi de même, Jean, moi de même! Que jamais la faire la bouffe, c'est super cool! Attendez, attendez! C'est quoi ça exactement? Alors ça c'est le za'atar, c'est une sorte de pizza traditionnelle libanaise à base de thym et de sésame. Za'atar. J'ai pas mangé. Vas-y. T'as déjà mangé ça? Sûrement. J'ai jamais mangé de za'atar. Za'atar. Pourtant je mange libanais mais... Bah, ça c'est l'original. C'est la spécialité ça. C'est une spécialité? Ouais. Comment c'est possible? Ah bah c'est tu l'es donné tout. Allez, sérieux? Yes, bah voilà, ça c'est respectueux. Oh merde! T'as vu ça? Ouais, lorsque vous êtes en diète, au feu de bois, et vous finissez votre boulot, tout est fait, vous êtes content, et vous mangez quelque chose de bon comme ça, c'est le bonheur. Lorsque vous le mangez tout le temps, chaque jour. Sérieusement, c'est pas bon. C'est le plus intéressant. C'est particulièrement bon. Qu'est-ce que vous voulez boire? Juste de l'eau. Juste de l'eau. Alors, merci pour le boulot d'aujourd'hui, Guillaume, Sophie et Philippe. Merci de nous avoir ramenés ici, super gentil. Ching ching ching. Oh, joli chaud. Tu vas me mettre une petite carafe pour emporter. C'est magnifique. C'est bon, hein? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on mangera? That's right. We do it with style. Alors, taboulé. C'est quoi ça déjà? C'était. Caviar d'aubergine, ça. Caviar d'aubergine. Aubergine. Falafel. Falafel. Sabal. Et ça, c'est. Mais il l'a dit, elle vient toujours de le dire. C'est la sauce à l'ail, ça. Je crois, ouais. Je peux te dire. Et ben. Voilà. Et regardez comment ça se passe, le baalbek. Vous faites ça, moi, je prends le petit. Et moi je prends le grand. Tu veux prendre le grand? Non, c'est pas d'aïoli ça. C'est pas d'aïoli? Non. Ça va avec les. Comme je suis un peu fou, ça va. C'est fou, mais moi je fais ça. Je savais que t'allais faire ça parce que moi aussi je vais faire ça. Hey, j'arrête de filmer moi, c'est pas une affaire. Hein. Oh! Mais filmer mon affaire. T'es fou toi? Je vais expliquer. Ah, ça.
trouver ce qu'il y a qui. Oh, on peut en mettre par ici aussi. Oh. Ah oui, ça c'est bon ça. Oui, oh, viande. C'est ça. Non, fromage. Fromage, fromage. Fromage ça. Non, c'est pas fait à la viande, je dis ça. Ah, Non, ça c'est fou ça. Là, alors regardez ça. Alors ça c'est du poulet. Oh, mais ça. Mais qu'est-ce que tu t'épouses ou quoi? Tu fais ça. Il a dit, je veux que je t'épouse. Merci, Zia. Alors. Dans mon cœur. Oui, mais il y a forcément un lien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est super gentil. Merci d'avoir cuisiné pour nous. Bah, avec plaisir. Ah, c'est super bon. Tu veux toujours pas de citronnade? Si. Ah, pas de citronnade, la citronnade. La citronnade, voilà. La citronnade, elle est super bonne. Je mettrai l'adresse du restaurant. Bah, j'arrive même pas à parler, je vais manger. Mange, mange, mange. Les gars, si vous voulez manger libanais, c'est l'adresse. The address. The address, merci. Vous allez comprendre que vous avez jamais mangé libanais. Voilà. Oh, super. Non mais tiens-le avec la main pour prouver que c'est vraiment ça qui marche. Tu vois avec Patrick Marconi. Iglobis, dernier jour à Paris, dernier shoot. Hier on a passé toute la journée à faire du coaching 101 en air caressé nord. Tellement fatigué, comme vous avez vu la dernière vidéo que j'avais publiée, c'était avec mes sœurs et Oussama. Vous avez rencontré les sœurs Nézard. Et maintenant, vous allez rencontrer Alex. Normalement, c'était Alex et PJ. Mais PJ avec son bébé et sa femme, je crois qu'ils sont en vacances. Donc on pouvait rien faire. Or, Oussama est avec moi, il sait what's up. Et là, on est devant une boutique de costumes. Donc, j'allais rencontrer Alex, ça va être juste moi et Alex, on va faire une pub pour Otakos, le Cheat Meal. Donc, ils ont eu un concept, une idée de nous avoir chez eux. Et c'est super cool. Donc, comme ça, on va vous montrer comment vous faites un Cheat Meal chez Otakos. Et la gare de Ligne commence à faire froid. Heureusement que je repars demain chez moi. Ça fait 3 semaines et demie que je suis ici. 3 semaines et demie. 3 semaines. Mais ça s'est super bien passé. Je suis vraiment, vraiment content. Beaucoup de choses sont en train de se développer par rapport à tout ce que je fais. Et ça me fait plaisir de vraiment partager ça avec vous. Comme ça, vous allez être inspiré de faire les choses que vous voulez faire dans votre vie. C'est ça mon but avec ça. Ok ? On n'est pas là pour frimer ou. J'espère que vous êtes inspirés, motivés et ne jamais, jamais perdre espoir dans la vie. Allez, ça m'a pris beaucoup de temps et je continue à travailler et à bosser comme un fou pour pouvoir faire les choses que je suis en train de faire. C'est pas donné, hein. Donc mon eau, mon physique, il est complètement spectaculaire, mais... spectaculaire. J'ai mal partout. Donc lorsqu'on rentre chez moi, je vais vraiment faire un massage, je vais relaxer avec la famille et j'ai hâte. Maintenant, on va aller rencontrer Alex. Alex. Andar. Tu restes. Il arrive. Comme ça. Et moi, je fais un plan large pour le côté. Il arrive. Il a pas de cagoule. Maintenant, il est marié. Regardez. Il a pas de cagoule. Regardez, ça c'est. Je vous avais dit qu'il avait la tenue, la nouvelle tenue de Body Time. Qu'est-ce que je vous avais dit? Oui, ça! Ça fait long? Eh oui, on a rajeuni. Les déserts sont ici. Et là, les hommes. Les hommes! Alors, moi j'ai faim. Moi, j'ai toujours faim. T'as faim? Toujours faim. Regardez. Tu sais, je déteste ces trucs serrés sur toi. Mais pourquoi vous mettez des trucs? Je t'en ai ramené un, t'inquiète. Je vais pas le mettre, hein. Mais si, je vais pas le mettre. Il va le mettre. Je vais pas le mettre. Il
pas le mettre. Je vais pas le mettre. Ça c'est spécial super-héros. Qui s'est commencé? Comment il s'appelle le super-héros? Platinum. Non. C'est qui? Petit corps. Ah, je vais le mettre alors. Préparation pour le shoot, bien sûr. Regardez-le, il est derrière, là-bas. Hein, le beau Alex. Bien sûr, Guillaume, lui, c'est... lui, il est dangereux. Et l'autre derrière lui, l'autre. Ça, c'est the A-Team, hein, the A-Team. Donc, on est au Tacos. C'est où? Au Tacos de Arge. Où? Anières-sur-Seine. Je sais pas où c'est quelque chose. C'est quelque part à Paris. Dans le 92. Dans le 92. Donc, et on va créer le cheat meal. C'est pour ça qu'ils nous ont ramené ici. Un bon cheat meal. Combien de fois vous devriez le faire? Une seule fois par semaine. Et vous allez voir la pub dans pas longtemps. Ok? Chute avec le frérot, regardez-le. On a fait du sale, du dégueulasse. Dégueulasse. Regardez-le, regardez. Lui, il va commencer à faire la muscu. Hein. Il arrive là. Vous avez vu la musculation? Sa musculation, elle est dans la main, dans son travail, dans ses chefs-d'œuvre de film. Là, il est sur les épaules là. Les épaules. Je suis vraiment, vraiment désolé. C'était la dernière minute, je me retrouve avec Mouvia. Hello! Bien sûr. The boss. Welcome back. DJK. Hello. My brother. Bonnet, from another mother. Only from the hood. Regardez ça. Ça, on finit la fin du boulot. Fini. Tu n'as rien, toi? J'attends. Il attend. Il y a quelques peu de bizarre ici. Le bonheur. Il faut que tu donnes un petit peu de ça. Bien sûr, je t'en donnerai avec grand plaisir, Jamo. Regarde le Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeah.